Nous avons une liste là, qui a environ 100 détenus qui en détention préventive prolongée déjà. Donc nous examinons, nous sortis 12 là-dedans. Dans 12 là, nous détendons 12, qui 9 que nous mettons en liberté, qui est 2 l'autre déjà qui pas en liberté parce que nous sommes au cabinet d'instruction. Donc tout le monde sait son audience spéciale que nous faisons. Pour nous être capable de désengorger la prison civile là, j'en te dis là, parce que je dis à la situation qui est la prison civile au Kaila, donc c'est bien alarmante. Donc nous avons dégagé nos coûts, mettre Jean-Jacques pour nous garder, si nous sommes capables de diminuer le taux de la détention préventive pour l'OGA, qui c'est une cheval bataille du ministère de la Justice, de la Sécurité publique, qui est dirigé par Maître Berto Dorsé. Donc ça fait, je dis à nous tout nous fait la presse là, de façon à ce que vous ne pas gagner des gros poissons qui filent. Non. Dans ce nom, pour que tout le monde sache que c'est le monde qui a fait des infractions mineures. Et si vous avez jugé déjà, vous avez plagué déjà. Vous avez fait 3 ans, vous avez fait 4 ans, vous avez fait 5 ans déjà. Donc, c'est des délits correctionnels qui sont au niveau du parquet. Donc, je dis, donc, nous commençons à travailler ça. Vendredi, si nous continuons à faire ça, de façon à ce que nous capables de désengorger les prisons. Il faut me dire bien que OPC soumet l'ISA par le parquet. Paquet travail sur l'ISLA, il a sorti de temps à autre chaque vendredi, qui jeudi a ODC, il est assisté par BAL, qui c'est Bureau d'assistance légale, qui est présenté par Bête Kassa Major. Il y a aussi l'OPC qui est là, il y a Caral qui est là, représenté par Mette Tivoté. Donc, bon, c'est qu'on a continué de travailler comme ça, de façon à ce que pour que nous diminuions tout détention préventive. C'est parce que nous commençons dans l'ISLA de 1 pour nous revenir dans 100. Nous avons pris 20 personnes. Maintenant, 20 personnes ont été quelques délivrés déjà. Nous sommes à 12. Maintenant, mesdames, nous sommes au fond, ou bien derrière, l'ISA. Donc, vendredi, si vous regardez si mesdames, nous sommes capables de venir avec vous. Normalement, même jean monsieur. On passe au là au début. Donc, il y a 10, 9 en 9, 9 libertés. Qui fait qui est libéré, il y a 9 personnes qui sont libérées. Donc, on sait qu'ils font des infractions mineures, donc ça fait qu'ils passent plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, je dis à nous-mêmes, nous travaillons pour désengorger les prisons. Et nous avons continué à faire, parce que nous sommes cheval bataille et ministère de justice de la sécurité publique. Vous parlez d'infractions mineures, tant pour qui ça? Il y a vol simple, il y a destruction, il y a usage de marijuana. Donc, il y a une voie de fait. Donc, c'est infraction ça que nous considérons des infractions mineures. Donc, par exemple, on ne peut pas faire autre que ça. Donc, c'est des séances spéciales que nous avons fait. En attendant que, ouais, espace ça là, qui fait là. Donc, c'est pour ça le fait. Espace ça, c'est Bini. Bini qui construit pour le parquet, pour le tribunal civil au Caire. Donc, là, notre objectif est pour aborder ça, les détentions préventives pour l'OGA. Donc là, supposé qu'il y a des juges, commissaires, les avocats qui là, supposé plaider. Et dans le cadre de notre séance, dans le cadre d'une audience correctionnelle spéciale que doit être tribunal là, ensemble avec le parquet, parce que ensemble pour faire, j'étais dans ce maintenant, la choisi pour nous faire. Mais en attendant que nous instituer audience correctionnelle spéciale, ça, donc on a fait des audiences, des séances sous liste au PCA, de façon à ce que vous avez retiré. Capable de diminuer le taux de détention préventive pour l'OGA. Après, remercier et féliciter le commissaire gouverneur Okara, M. Ronald Richemont, le fait qu'il prenne l'initiative pour déblayer, pour désengorger la prison civile Okara, parce que le taux de détention préventive pour l'OGA est trop exagéré. Nous féliciter ça et nous remercier la presse qui devrait prendre présent dans l'activité ça. Pour couvrir, alors séance ça, donc c'est pas, j'ai commencé à sortir là, c'est pas audience. Donc si c'était audience, t'as bien juge, t'as bien commissaire, etc., t'as bien fixé. Mais ça, c'est une séance spéciale pour permettre que des gens qui sont en détention préventive prolongée et que, qui sont victimes de ce système-là, puissent rejoindre madame, yo, petite, yo, famille, yo, amis. Yo. Parce que prison, nous venons considérer comme un. Comme un lieu de rejeter. Ça veut dire qu'on va besoin de mon nom, je suis dans la gueule là, oublier. Mais je vous dis, grâce à cette séance spéciale, et bien sous 11 détenus,
qui étaient en détention préventive prolongée, il y a 9 qui libérés et 2 sacs pas pour libérer nous-mêmes au niveau de OPC et Caral et puis BAL, nous allons faire suivi pour que nous accompagnions Mounsayo au niveau cabinet d'instruction. Mais c'est une très bonne initiative et nous espérons que nous allons continuer sous même lancer pour permettre que nous désengorger la prison civile au Caral à compter que des gens qui mourent. Soit par maladie ou bien par grand bois pouillé, ou par la rue de l'obéien, donc mon pile sous pile, mon yon tasse dans la sardine. Donc nous pensons que, vendredi prochain, il y a encore un groupe détenu qui va avoir une possibilité pour passer dans la séance spéciale. Ça, donc dans l'unique objectif, il y a une nouvelle.